Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu es débutant, que tu t'apprêtes à passer le permis poids lourd et que tu as de l'appréhension à l'idée de conduire un camion, cette vidéo est faite pour toi. Elle te permettra d'aborder ta conduite avec plus de sérénité. Sache qu'il y aura une seconde partie avec une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, j'aborde la conduite en ville, hors de la ville, sur autoroute, dans les sens giratoires, feu tricolore, tunnel, etc. Avant de commencer, faisons le point sur l'installation. Tout d'abord, il faut régler le siège de manière à avoir le talon au sol et la jambe légèrement fléchie lorsque j'appuie sur les pédales. Ensuite, il faut régler son volant de manière à avoir les bras légèrement fléchis lorsque vous le tenez. Vous ne devez pas avoir les bras tendus. Il faut qu'ils soient légèrement fléchis. Lorsqu'on conduit, il y a une manière de tenir le volant. C'est comme pour la voiture, soit vous mettez vos mains à 9h15 ou à 10h10. Quand vous roulez, évitez de mettre vos mains là-haut comme ceci ou en bas comme ceci. Sachez qu'un volant, ça se tire, ça ne se pousse pas. Lors d'un virage à droite, on monte la main droite à midi comme ceci et on tire à droite. Lorsqu'on a un virage à gauche, on fait la même chose, on tire à gauche. Si la courbe est moins importante, vous levez la main juste ici et pareil pour la gauche, vous levez la main juste ici et vous tirez à gauche. En ce qui concerne les rétroviseurs, les régler de manière à avoir dans le premier tiers du miroir la carrosserie, ensuite dans le second tiers l'environnement. La même chose pour l'autre rétroviseur. Dans le premier tiers, il faut voir le camion, la carrosserie, et dans le second tiers, l'environnement, la route. Dans les camions, on peut constater qu'il n'y a pas de rétro intérieur. Du coup, pendant la conduite, il faudra exploiter au maximum les rétro-latéraux afin de prendre un maximum d'informations et se familiariser avec le gabarit du véhicule. Attention, dans les camions, vous avez un ralentisseur. C'est ce Komodo. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? C'est un appareil qui permet de faire ralentir le véhicule sans l'aide des freins. Il s'actionne à la manière d'un clignotant. On le baisse vers le bas pour l'actionner. Il peut y avoir plusieurs niveaux. Là, je vais descendre au maximum. Dans ce camion, il y en a 6. Pour le retirer, soit je le remonte comme ça, étage par étage, soit comme certains véhicules, je peux le désactiver en l'accélérant. À quel moment il faut utiliser le ralentisseur? De manière générale, on l'utilise dans les descentes pour éviter la surchauffe des freins. Mais également, on peut l'utiliser en circulation. Pour savoir à quel moment il faut l'utiliser, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous voulez faire ralentir un véhicule, vous levez le pied. Si c'est insuffisant, vous mettez le ralentisseur. Et si c'est insuffisant, vous mettez le frein. Voilà, ça permet de situer à quel moment on pourrait mettre le ralentisseur. Et le ralentisseur, c'est beaucoup plus souple que la pédale de frein. Ne pas oublier d'actionner ce bouton lorsque vous êtes en circulation. On appelle ça l'assistance de démarrage en côte. Ça permet de retenir le véhicule lors d'un démarrage en côte pour éviter qu'il ne recule. Attention, ce n'est pas un frein. Il va simplement retenir votre véhicule le temps que vous lâchez le pied de la pédale de frein pour actionner votre accélérateur afin de démarrer en côte. Voilà, maintenant on est prêt à partir en circulation. Place à la conduite commentée. Lorsqu'on quitte un stationnement, on met toujours son clignotant pour signaler comme quoi on s'en va. Après avoir contrôlé autour de soi, à droite et à gauche, qu'il n'y ait personne. À ce stop, je vais aller à droite. Pensez à bien marquer l'arrêt au stop. Je contrôle mon rétroviseur de droite. Je mets mon clignotant à droite. Ensuite, je vais avancer droit pour ne pas me trouver coincé à droite lorsque je vais tourner. Après avoir marqué l'arrêt, je contrôle bien qu'il n'y ait personne sur ma gauche comme sur ma droite. Quand la voie est libre, je vais m'engager. Je vois qu'à gauche, ça se libère. À droite, c'est la même chose. On peut y aller. Là, je vais bien m'écarter, aller sur la voie d'en face pour ne pas monter sur le trottoir qui est à droite. Et ensuite, je me rabats. À ce prochain rond-point, je vais aller à droite. Je vais contrôler mon rétroviseur de gauche. Je mets mon clignotant à gauche. Et je vais serrer l'axe médian. Je m'assure que j'ai créé un espace avec le trottoir de droite pour ne pas monter dessus au moment de l'insertion. Je m'assure qu'il n'y a personne qui vient de gauche avant de m'engager. Je pense à mettre mon assistance de démarrage en côte, qui se trouve ici, pour ne pas reculer. Une fois que la voie est libre, je m'engage.
C'est le cas. Je m'engage. Je vérifie une dernière fois à droite qu'il n'y ait pas de rond et qu'on soit loin du trottoir. Je vais chercher l'extérieur de la voie. Une fois que ma roue arrière est bien passée, je me redresse. C'est limité à 70 km à l'heure. Je mets de l'allure. Je dégage pour ne pas gêner. Je contrôle à gauche, à droite, pour m'assurer que je sois bien positionné et pour me familiariser avec le gabarit du véhicule. Je tiens bien mon volant et j'évite de rouler sur la voie pour les vélos. N'hésitez pas à regarder régulièrement dans vos rétroviseurs, ça va vous permettre de vous familiariser avec le gabarit du véhicule. Si vous n'êtes pas à l'aise lors de votre première conduite, n'hésitez pas à rouler moins vite. Vous n'êtes pas obligé de rouler à la vitesse maximale dès votre première leçon, car si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez générer du stress supplémentaire et ça ne sera pas productif. Un petit coup d'œil à gauche, je suis bien positionné. À droite également. On va prendre la direction de l'autoroute. La vitesse passe à 50 km à l'heure. Je contrôle derrière avant de ralentir. J'utilise mon ralentisseur pour être plus souple. Comme je vais aller à droite, je contrôle, je mets mon clignotant à droite. Comme j'ai une courbe vers la droite, je vais monter légèrement la main du côté de la courbe, comme ceci. Là, j'ai un virage à gauche. Je vais monter la main gauche là-haut et je tire légèrement en cherchant loin l'information. J'arrive dans un rond-point dans lequel je vais aller à droite. Je contrôle le rétro. Je mets quand même le clignotant à gauche car je vais m'excentrer à gauche par rapport au gabarit pour ne pas monter sur le trottoir au moment de l'insertion dans le rond-point. Je m'assure qu'il n'y ait personne. C'est le cas. Je vérifie à droite qu'il n'y a pas de deux roues et que je sois loin du trottoir. Dans cette courbe, je vais bien chercher à l'extérieur. Je vérifie ma roue arrière qu'elle soit bien passée. On arrive dans une voie d'insertion qu'on appelle également une voie d'accélération. Donc, j'accélère. Je jette un coup d'œil pour voir l'état du trafic afin de m'insérer en toute sécurité. Je mets de l'allure pour pouvoir m'insérer sans gêner. Je mets mon clignotant à gauche pour avertir les autres usagers de mon intention. Une fois que j'ai mis de l'allure, je peux rentrer en toute sécurité. Je m'insère progressivement sans mettre de coup de volant. Voilà. Un espace s'est créé, je m'insère sans gêner. Là, je suis sur autoroute, c'est limité à 110. Pour moi, en poids lourd, c'est limité à 90 km à l'heure. Je regarde à droite, à gauche, pour voir si je suis bien positionné. Je garde une distance de sécurité avec les véhicules qui sont devant moi, d'à peu près 50 mètres. Ça correspond à un trait et un espace. Avoir le regard très loin, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'embouteillage, pas d'accident, pas d'obstacle, afin de pouvoir intervenir à temps. Je contrôle à gauche, à droite. La vitesse maximum est de 90 km à l'heure. Maintenant, si c'est ma première conduite et que je ne suis pas à l'aise, je peux rester à 80 km à l'heure, il n'y a aucun problème. Dès qu'on n'est pas à l'aise, il faut rouler un peu moins vite. Ne vous mettez pas la pression. On ne va pas vous demander dès la première conduite de rouler à la vitesse maximale autorisée. On n'est pas à l'aise, on roule un peu moins vite. C'est la raison pour laquelle il y a inscrit sur le camion en gros « véhicule école » afin que les autres usagers soient conscients qu'à bord du véhicule, il y a des jeunes conducteurs en apprentissage. Je tiens mon volant avec mes deux mains. J'observe régulièrement dans mes rétroviseurs. Je vérifie mon positionnement. Avoir le regard très loin afin d'anticiper. Car sur autoroute, les choses peuvent très vite évoluer. On va prendre la prochaine sortie qui est une station service. J'aperçois la sortie. Je contrôle. Je mets mon clignotant. Attention, ne faites pas l'erreur de freiner avant la sortie. Sinon danger. Car les autres usagers derrière moi roulent à 110 km à l'heure. J'entame la sortie, je mets le ralentisseur, je l'accompagne du frein. On voit bien que le véhicule freine très bien.
On est déjà à 50 km à l'heure. Je continue à contrôler derrière moi. Dans cette station-service, on roule doucement, pratiquement au pas, car il peut y avoir des piétons, des véhicules qui manœuvrent. Je vois qu'il y a du monde. Le passage est étroit. Est-ce qu'ils vont se déplacer? Je vois qu'ils ne bougent pas. Je vais contourner. Je contrôle mon rétro de gauche. Je mets mon clignotant. Je passe avec prudence. Il y a des piétons. J'avance bien droit car mon véhicule fait 10 mètres de long. Je vérifie que j'ai bien dépassé le véhicule arrêté avant de me rabattre. Ma roue arrière est bien passée. Je contrôle que personne n'arrive de droite. Je roule doucement car ce n'est pas large. La roue arrière est bien passée. Tant que je suis dans la station-service, je continue à rouler au pas. Je fais attention qu'un véhicule ne recule pas. Je me dirige vers la sortie. Je fais attention à l'arrière de la remorque qui dépasse. Je profite de l'espace que j'ai à droite en mettant le clignotant. Toujours informé lorsqu'on fait un écart. Je vais prendre la petite voie qui est à droite. Je prends l'extérieur de la voie en serrant à droite pour que l'arrière puisse passer. On le voit ici, à gauche que je passe bien. On va tourner à droite, on vérifie que personne ne vient de la gauche. Je mets le clignotant à droite. Et là, de nouveau, on va refaire une insertion d'autoroute. Comme je l'ai déjà dit, une voie d'insertion, c'est également une voie d'accélération. Donc vous devez accélérer pour s'insérer à une allure qui permet de ne pas gêner les véhicules déjà sur l'autoroute. Je mets mon clignotant très tôt pour que ça interpelle les autres usagers afin qu'ils puissent faciliter mon insertion. Je contrôle, il n'y a personne, j'accélère bien et ensuite je rentre progressivement. En toute sécurité, sans mettre de coup de volant. Je tiens bien mon volant, un coup d'œil à droite, si personne ne me dépasse par la droite, un coup d'œil à gauche, je suis bien placé. Nous allons prendre la prochaine sortie. Je contrôle, je mets mon clignotant à droite. Ne pas mettre de ralentisseur dans les montées. On freine une fois dans la sortie, pas avant, pour ne pas gêner derrière. Je prends la sortie à son début. Maintenant, je mets le ralentisseur, un cran, deux crans, j'accompagne du frein. Je contrôle bien derrière moi. Je garde une distance de sécurité avec ceux qui sont devant moi. À ce rond-point, je vais faire un demi-tour. On garde une distance de sécurité de manière à ce que si le véhicule devant moi venait à tomber en panne, que je puisse le dépasser sans être obligé de reculer. Donc là, on va faire un demi-tour. Je contrôle à gauche. Je mets le clignotant à gauche, on serre l'extrémité de la voie, ici. On vérifie ce qui se passe à droite. Une fois que la voie est libre, je m'engage. Faire attention de ne pas faire de refus de priorité, car la règle dit, je dois céder le passage au véhicule circulant dans l'anneau venant de gauche. Du coup, si je m'insère et que je fais ralentir un véhicule, c'est un refus de priorité. Là, c'est bon, je contrôle à droite, il n'y a pas de deux roues et je suis loin du trottoir. On garde bien le clignotant à gauche et on reste bien à l'extérieur de l'anneau. On est prioritaire, mais on fait attention, car souvent les véhicules nous coupent la route. Comme on est gros et lent, les véhicules n'hésitent pas à nous passer devant, car ils préfèrent être devant nous que derrière nous. Donc on reste vigilant lorsqu'on est à l'intérieur de l'anneau, même si on est prioritaire. Là, on met le clignotant à droite. Avant de sortir, on vérifie que personne ne me dépasse. En sortant, je vais chercher l'extérieur. Je contrôle à droite que la roue arrière soit bien passée. Et là, on accélère. On est dans une voie d'insertion. On accélère bien dans cette montée. On met le clignotant très tôt afin d'interpeller ceux qui sont sur l'autoroute de mon intention. Ça permet de créer une bulle de sécurité. Ça incite les autres usagers à s'écarter pour me faciliter le passage.
Si ce n'est pas le cas, ne vous insérez pas, car on n'est pas prioritaire. J'accélère davantage. Je vois que je peux m'insérer en toute sécurité. Je continue d'accélérer pour ne pas gêner derrière moi. Un coup d'œil à droite, à gauche, pour voir si je suis bien placé. Je garde une distance de sécurité avec ceux qui sont devant moi, d'à peu près 50 mètres. C'est l'équivalent d'un espace et un trait. Je répète encore une fois, avoir le regard très loin pour plus d'anticipation. Voilà, on arrive au bout de la première partie. Dans la seconde vidéo, on verra la conduite en agglomération, dans les passages étroits, tunnels, etc. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.